Salut! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui on est parti, on est samedi matin. En fait elle attendait la suite. Mais ouais, je pensais que tu allais parler, tu as toujours envie de parler alors. Bon aujourd'hui on est samedi et on est parti en petit week-end improvisé. Oui, mais alors à savoir où, si seulement on savait. Donc c'est là, incroyable, hein, à chaque fois on part à des endroits, ouais. on ne sait pas. Enfin là où la voiture nous mène en fait. C'est ça. Voilà. Même Emma elle n'a pas deviné encore, enfin vraiment. Donc on a une bonne heure et demie de route. Et je pense que ça en vaut le détour. Bon ben voilà, alors on se retrouve là-bas en fait. Alors, nous sommes arrivés. Donc on est à Léon. Donc ça fait partie de ma bucket list. C'est important à dire. Ouais. Et moi, je prends ma 8-6 sur un banc avec ma casquette. Bon. J'ai perdu mon chien. Bon, enfin, on a emmené les filles quand même. Mon chien sur Dax. Ouais. Si vous le retrouvez, parce que en fait, le chien à Dax plus la 8-6, la totale. Bon, bref. Donc là, on est parti. On se fait petit pique-nique dans un parc. Hyper joli. Hop, je vous montre un petit peu. En fait, on est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. On a pris notre temps ce matin, on a pris notre temps à l'hôtel. Donc on a trouvé un petit hôtel typique, super sympa. Bah, de toute façon, vous avez déjà vu les images normalement. Et donc là, on est parti pour aller voir la cathédrale. La cathédrale basilique. De l'Assomption. Donc classée patrimoine de l'UNESCO. Je pense que ça va être quelque chose d'énorme. Voilà. J'ai hâte, j'ai dégainé mon appareil photo, regardez, j'ai l'appareil photo. Donc là, ça va être photo, vidéo, enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc de malade à faire. Donc là, c'est le moment pique-nique, donc le moment bière aussi. On se laisse pas aller. Hein. Allez, nous, on finit de se reposer, puis on va filer à la cathédrale. Aujourd'hui, on visite la basilique. Nous sommes en train de monter petit à petit. Oh là là, c'est tout sombre ici. J'espère que vous allez voir. En tout cas, il fait super bon dedans. Je pense qu'en haut, par contre, on va avoir très très chaud. Ok.
Allez les filles, on y va. Contre le mur les filles. Hein. Et là, on est où les filles alors? Sur le toit. Sur le toit de quoi? De la cathédrale. Cathédrale. Impressionnant, hein? Regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est magnifique. Là, on en prend plein les yeux, là. Alors on est où là? Ben on y est, on est sur la cathédrale de Léon, la cathédrale basilique et... C'est l'Assomption. Il n'y a pas de mots, franchement... C'est magnifique. Je crois que même, je sais plus où donner la tête pour les photos, les vidéos, je suis folle, j'ai l'appareil photo, j'ai le téléphone, j'ai un sien, je suis complètement... On a une vue magnifique là, si vous regardez derrière là. C'est quand même... On en prend plein la figure c'est là. C'est ça. Alors on a très chaud. Mais on a un ciel magnifique qui est bleu avec des superbes nuages noirs. Ben, c'est beau en fait. Ouais, là il y a de la couleur. C'est, Il y a de l'harmonie colorée. Allez, ça y est, on a fini la visite de la cathédrale. On est mort de chaud. Et tous les filles ont très 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 soif. Donc là on s'est arrêté dans un petit truc. On cherche un petit bar. Et on s'est arrêté dans un petit truc de smoothie. Et ça donne trop envie. Il y en a plein de différents. Il y a même des smoothie bowls. Moi qui suis fan, donc je peux en prendre maintenant. J'ai pas faim. Mais... Donc voilà, et là, regardez ce qu'on va goûter. Ah, c'est trop beau. Vous êtes où? Hop, vous êtes là. Alors, c'est quoi que vous buvez? Alors, il y en a un, là, c'est... Caribéen. Ouais. Pina, melon, nanantra. Un peu acide. Et puis celui qu'Emma ne veut pas lâcher, ça doit être collé, peut-être le frais. C'est le Vanilla Papaye Mangue Banane. Là. Ça, à mon avis... Elle est là. À quel point on se défonce à la banane, ça fait du bien. Puis mon papaye, franchement, ça peut être que bon. Et Lola, elle est où Lola? Elle est là. Alors, sur ce, ben, je vais vous laisser parce que moi aussi j'ai hyper soif. Je n'en peux plus. Et du coup, ben, on se revoit tout à l'heure. On va aller se balader dans les rues de la ville. À l'hôtel, on vient de se boire une petite bière tranquillement, on a mis les filles... Pas une, 18.
Donc, pour vrai, elle vient de vomir dans le coin. C'est ça, attends. J'ai ma place qui me fait mal, en fait, voilà, parce que la vie est dure. Donc, comme vous voyez, on vient de s'installer dans le hamac. Non, on vient se boire une petite bière tranquille. On a laissé les filles dans la chambre, à Kripa, donc peut-être qu'elles sont reposées. En fait, Lola a été à peu près affecte tout le long. Bah, Lola, quoi. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pas eu de sieste et on est monté sur le toit de la cathédrale. On a eu extrêmement chaud. Alors, moi, je supporte. Par contre, les filles, je pense que c'est même toi. Ouais, c'était un peu dur. C'était un peu dur. C'était supportable. Je pense que pour Lola, c'était très très compliqué. Et du coup, elle a été, elle a été elle-même très compliquée. Elle a passé son temps à pleurer, chouiner, crier, tomber. Enfin voilà. Donc, on est revenu à l'hôtel. Et repos. Nous, comme vous voyez, on s'est installé dans le hamac en fait. Si vous me demandez d'informer, voilà, un petit hamac. Pour dire, on est tellement fatigué, on arrive à supporter le reggae à côté. Pour dire, on est vraiment fatigué. Moi, j'aime bien. Alors, pour la vue, regarde. Si on est bien là. Voilà, la vie est dure. Hein. Voilà. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on va faire ce soir. Pas grand chose, hein, parce que c'est week-end de détente aussi. On sait ce qu'on va faire demain. Oh yeah. C'est repos demain. On va profiter du coin, des alentours. On va profiter des alentours. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a le volcan Cerro Negro et il y a d'autres volcans d'ailleurs à faire. Vas-y, donne les noms. C'est voilà. Nul. Ouais. Il y a d'autres, même dans la ville d'ailleurs, il y a d'autres choses à faire. Hein. Il y a des. Oula, t'es à peu près là. Il y a des. T'es trop près. Il y a des églises, il y a des musées aussi à voir. Arrête. Il y a des musées, il y a plein de choses à faire. On va pas tout faire maintenant, on reviendra plus tard. Bon, arrête! Il est en train de s'amuser avec le téléphone. T'es bien là comme ça? Non, pas du tout. Ça fait un mauvais plan là, c'est. Bon, bref. Tu m'as coupé. Donc il y a plein de choses à faire dans la ville déjà. Apparemment, il y a des ruines, tu peux te remettre droit. Non, par contre, c'est une ville super. Hein. C'est ouais. Super joli, il y a beaucoup de couleurs, c'est vraiment agréable. Voilà, nous là, on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Enfin, on va rester aux alentours là, de l'hôtel pour ce soir. Ouais, on va faire une petite balade. Voilà. Parce qu'on a bien marché là en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis bon, attention, on fait ça avec trois enfants qui sont assez petits. Ah ouais, attention. Attention. Et encore que la plus petite, est, bon, Emma est grande maintenant, mais la plus petite elle était quand même mignonne. Hein. Franchement, là, c'est pas plein. Bon, elle était chanteuse. Voilà, elle a fait des bêtises d'enfants de 3 ans, mais honnêtement, elle a hyper bien supporté. Bon, ça m'agace cette vue. Elle a hyper bien supporté la chaleur, la marche. C'est jamais plein. Enfin, on n'a pas à se plaindre. Non, ça a été. Donc voilà, tout ça pour dire que ce soir, on va y aller mollo. Et puis demain, on va faire farniente dans les alentours. Par contre, on sera obligé de revenir. Coucou. Salut. Alors, on est le dimanche matin. Oh, il y a un beau. Wow, superbe. T'as vu ça un peu? Et je suis un ange. Cinéaste de fou que je suis, quoi. C'est avec la coupe de cheveux que j'ai. En fait, on se réveille juste. Et en fait, voici la chambre. Je vais montrer hier. Bah ouais, mais je la remonte là pour voir le désastre de nos enfants. Arrête, elles ont dormi. Voilà, on a passé une super nuit. On avait peur qu'il y ait un peu de bruit parce que c'est un peu auberge de jeunesse. Et puis finalement, bah, pas un bruit, nickel. Ou alors, on n'a rien entendu peut-être parce qu'on était fatigués. Ouais, on était un peu déquins aussi. En tout cas, là, j'aime bien, je suis dans la lumière, c'est un truc, voilà. En tout cas, on va manger. Alors c'est le retour. On est dimanche, il est je sais pas quelle heure. Et là on est parti à la playa. 9h20. 9h20. Et on part à la playa et on y sera avant 10h. Voilà, et puis on va profiter de notre journée là-bas, manger tranquillement là-bas et on reviendra quand on reviendra. Voilà, super petit hôtel. Et comme quoi on peut faire du business avec pas grand chose lorsqu'on a envie. Et tout à fait convenable, hein. Il n'y avait pas non plus... Emma voulait pas en partir. Alors bien sûr, si vous avez vos conforts d'Européens qui ressurgissent, ça va être compliqué, mais franchement, nous ouais. On s'est vraiment... Alors c'est dit sur un ton un peu négatif, je trouve. Moi personnellement, je... Bourgeoise. Non, la douche commune, j'ai du mal. Donc mon petit confort européen avec la douche commune, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Mais sinon tout le reste, non, super, super, super. Elle est foutue. Je sais pas ce que je vais en faire. Des gens très gentils, on a super bien dormi, les lits étaient vraiment très bien. Ouais, je pense qu'ils ont pris la cuite hier, hein. Ce matin c'était ouais, dur. Ça va, c'était très très dur pour eux. Hein. Mais bon. Bon allez, nous on est partis. Hein. A tout de suite. Et voilà, on est arrivé à la plage.
Une grande plage de sable gris. Donc là, on a un petit peu de monde, enfin un petit peu de monde. C'est relatif. Et on a un soleil magnifique, on a un chaud. Je sais pas combien il fait. Mais vraiment très très chaud. Regardez comment la vie est difficile. On se répète. Hein. En fait, on est hyper détendu. Il y a un soleil de malade. Tellement chaud que même moi qui adore la chaleur, j'ai du mal à rester allongé pour faire bronzette. Au bout de 10 minutes, j'ai dit stop, il faut que j'aille me baigner parce que j'en peux plus. Alors il y a un peu de vagues, donc du coup pour les petites, c'est un petit peu compliqué. Mais ça les a pas empêchés de s'amuser sur le bord, les pieds dans l'eau, ça les a rafraîchis, enfin, elles sont super super contentes aussi. Super, regardez un petit peu. Voilà. Bon, donc encore un week-end, un super week-end. On était à Léon donc hier, et là, alors je me souviens plus du nom de la plage en fait. Je sais plus, je suis pas sûre que ce soit la Spanitas. La France est éloignée et du coup on est entre les deux, entre Las Panitas et les autres plages. En fait ici, pour trouver une plage, c'est un peu compliqué en fait. C'était pas, il n'y a pas le parking et puis on va aller aux plages, voilà. C'est de petites allées en fait. Mais on a trouvé. La plage est immense, il n'y a pas foule. On n'est pas en pleine saison encore. Je prends mes lunettes. On n'est pas encore en pleine saison donc voilà. Et du coup on est hyper hyper tranquille. Et ouais voilà, il n'y a rien à dire, les plages sont super, moi je vais aller boire un coup et puis on va venir de profiter tranquille, comme ça on rentre pas tard et puis bah, demain il y a boulot quand même. Hein. Mais voilà, les week-ends comme ça, ça permet de décompresser, on reprend le boulot bien, en forme et détendu, et ça, ça fait du bien. Donc en attendant, on a demandé, c'est bien ça, c'est pomodoro et basilica. Super petit resto, il y a la petite piscine, donc là on va pas en profiter, mais je dis pas que le jour où on reviendra ici, on n'aura pas les maillots de bain et on demandera si on peut éventuellement se baigner. Bon. En plus là, il est au plein soleil, donc et là, regardez la vue qu'on va avoir, je vais vous montrer ça, hop, vraiment très, très mignon, c'est sympa hein. Et là, on est direct sur la plage. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'en vidéo, on se dirait, ouais, c'est toujours la même vue, mais nous, on s'en lasse pas. Hein. On se lasse absolument pas de cette vue. Je crois que je pourrais vivre à l'année avec ce bruit-là de vagues. Et voilà, on est rentré à la maison. Donc pour info, j'ai pris des coups de soleil. Voilà. Donc se dire qu'on est au mois de novembre, qu'on prend des coups de soleil, c'est cool. Ça fait du bien ce petit week-end. Donc je voulais profiter du moment où je suis à peu près toute seule. Je voulais juste remercier mon petit mari parce que ben, franchement, ce petit week-end était un week-end surprise. Et voilà. On a pas mal d'oiseaux chez nous qui sont super sympas. Ce petit week-end surprise est vraiment tombé à pic. Ça fait du bien. La semaine avait été très fatigante. Pas forcément difficile, hein, mais fatigante. Hein. Beaucoup, beaucoup de travail. Et j'avoue que on ne part pas toujours quand on va au week-end. Au Costa Rica, on n'a pas réussi à partir. Bon, c'était une question financière. Ici, on n'a pas encore de voiture. Donc, c'est assez galère.
Et c'est vrai que, bon ben voilà, on part à l'étranger, c'est aussi pour pouvoir visiter, profiter, même au Cap, même pas sans forcément aller loin. Mais, et du coup, là, ce petit week-end improvisé, ça fait un bien fou, mais alors, ouais, il n'y a pas de mots. Donc voilà, je voulais juste remercier mon petit mari. Comme tu n'es pas là pendant que je filme ça, et ben ce sera ma petite surprise à moi. Je te remercie, je t'aime fort, 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 fort. Les filles aussi sont très, très, très contentes de leur week-end. Elles en ont profité à fond. Emma est complètement folle d'être montée sur la basilique. C'est ce qu'elle a retenu, hein, la basilique. C'était magnifique. Enfin, voilà. Je vous le conseille pour tous ceux qui viennent au Nicaragua. C'est quand même quelque chose à faire. Je connais des personnes de la famille. Je sais qu'elles seraient super, super, super heureuses de faire ça. J'adore parce qu'on a un oiseau vers chez nous. Par exemple, à Léon, on ne l'a pas entendu. Mais ici, c'est vrai que ce petit chant d'oiseau, c'est génial. C'est ce qu'on va retenir d'ici. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, mais voilà, ce qu'on va retenir d'ici, c'est le chant de ce petit oiseau. Bon, ben sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faut pas hésiter, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sur le clic juste en bas, il y a une petite sonnette pour avoir les alarmes. Et je vous dis à bientôt.